Non, je m'en fous, je vole les cadavres. Voilà. Là, maintenant, le combat est bon. Plein de sorts. Peut-être commencer à mettre des objets lourds dans mon sac à moins 20%. Il y a quoi? Ah, il y a les coffres. Ah, il y a encore plus de cadavres. Ah bah, pillons. Pillons, j'ai envie de dire. Élixir de ruse Neuronner, 9 pièces d'or, une potion de soin modéré, ah j'aime ça, ah ouais, ok, les coffres maintenant, non, non, ah bah, ouh, c'est lourd, j'ai du mal à le porter. Merci, ça se passera de tes commentaires, ah ouais, faut que je mette des choses dans mon sac, il est où d'ailleurs? Et non, le sac magique. Le sac magique dans lequel je vais mettre ceci. Mon sac est trop lourd. Je sais. J'ai du mal à le porter. Putain, qui ferme sa gueule. Mon sac est trop lourd. Il le dira à chaque du fois. Mal à le porter. Voilà. Alors, je vais rajouter des armes. Des petites armes ou des choses lourdes. Qu'est-ce qui peut être lourd? Le gantelet. Le gantelet, c'est de la merde. Le crâne. C'est de la merde. Ok, je suis à 1 kilo. 1 kilo de... du surpoids. Je suis un gros, en fait. Quoique, ça, ça, je déplace. Et ça... Ah merde, ça prend les cases. Ah, c'est la base. Hop. Bon, ça, ça pèse rien, on est là, on est complètement d'accord. Alors voilà, le Tetris du pauvre. Voilà, 2 kilos. 2 kilos tranquille. Ok, des coffres basiques. 5 pièces d'or. Et 5 pièces d'or. Ok. Ok. Ça va le faire. Ah, moi je dis, c'est bon. Je vais me reposer et sauvegarder. Hein? Je vais sauvegarder sur mes 3 slots. Parce que 3 ça suffit largement. Et on va continuer. On va finir cette partie. Je la finirai aujourd'hui. Et quand je monterai, vous aurez une bonne dizaine d'épisodes avec toute la partie fail. Ouais. Ouais. La sauvegarde. Alors, sauvegarde rapide. Autosave. Et. SD, enfin bref, la première sauvegarde. Wait. Ah, j'ai 4 slots. Ah non, c'est bon. On les go. Oh, pour se mettre en discrétieux. Ok. Ah, ok, donc, évidemment, que les zombies. Ah, y a que les zombies, c'est parfait. Y a pas de ghouls. Je vous rappelle que les ghouls, c'est la base. Les ghouls, c'est le choix sur. D'avoir une maladie. Ah, si vous voulez sentir la maladie, votez la ghoul. Ouais, ça me met 5. Comment ça me blesse? Et moi, je les touche pas. Ouais, mais le zombie, il est résistant d'un coup, là. Ouais, le zombie, il manque de respect. T'es strat du lâche, hein? Strat du lâche. Je peux pas fermer la porte. Eh ben si, je pouvais. Donc la strat du lâche, hein? Hop. Hop, 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 hop. On se met derrière, on ferme la porte. Voilà, on passe à travers la porte. Hein. La technique est simple. On se repose, évidemment. La strat du lâche, comme d'hab. Mais on va les tuer, hein. On va tout tuer. Regardez, il nous reste presque rien. Il nous reste le couloir là, la petite salle ici, et le banquet final où on va faire ça en mode. On va faire ça en mode salut de Snake. Personne va comprendre. Et il m'a vu. Assez nul. Voilà. Ah, on switch l'ennemi pour augmenter les chances de toucher. Tout ça est calculé. Voilà. C'était la calcul de fou. Le calcul de fou.
Allez, on y va, tranquille. Tranquillement, disgracieux. Il y a un sarcophage, je peux rien faire avec. C'est génial. Là, il y a des sacs. Je peux pas fermer la porte. Il y a deux sacs. J'en prends un, 9 pièces d'or. Le deuxième, 5 pièces d'or. Ok. Hop, discrétion, je vois qu'il y a un zombie. Je l'ai vu le zombie. Je crois même que j'en ai mis un deuxième. Alors là, hop. Il y a la goule. La goule, c'est le mal. Il faut l'abattre. Un, deux, trois. Ah. Ah, c'est l'incubation. C'est l'incubation. C'est la base. Ah, ça va être la technique de la. Ça va être la strat de merde. La strat de la sauvegarde. Ouais, strat de lâche. La strat du lâche avec plein de cadavres. On pourra piller. On pourra piller. Ok, alors ça c'était absolument pas prévu. Voilà. Ça n'était pas prévu. C'est nul. Je ne sais pas ce que. Je ne sais pas, j'ai voulu faire une rotation de caméra. Et puis. Et puis la baise. La baise totale. Voilà. Elle est morte. Par contre, si j'ai fait bugger le dialogue. Ah bah ça va pas le faire. Ah bah il est mort, il a fini son dialogue. Génial, il a disparu. Voilà, le cadavre. Le sort de neutralisation de quoi? Du poison, ah c'est intéressant. La potion évidemment, on ne l'oublie pas. Et l'agate de feu, évidemment. Je ne sais pas quoi ça sert. Ah ouais. Wait, je suis en train de penser un truc dans mes notes là. Objet rangé dans le coffre de la fouette, ouais, c'est bien ce que je pensais. Faut le même chier pour l'écrire ça, tellement ça a bugué. On va se soigner un petit peu. Faudrait aussi que je regarde sur les reliques. Ouais, faudrait que j'y retourne, off-cam, je ferai. Dans l'état des reliques pour la quête secondaire. Je sais plus du tout où j'en suis. Il y a un dernier couloir. Ah ouais. Ok, là il y a un zombie. Elle est où la goule? Il n'y a pas de goule. Je vois pas de goule. C'est génial. Par contre, je vois les cadavres. Je vois du cadavre. Allez! Un peu moins de 2500 pour le level up. C'est génial. Le sac à dos, le cadavre. Oh, la potion ultime. Oh, j'en ai deux. La potion de soins intensifs. Ah, on la réserve pour le boss. Ah, ouais. Et là on y va en mode brutal. Ah mais non, il y a une porte. Stop, il y a une porte. Juste là. Elle est pas fermée. On l'ouvre. Ouais, il est fou. Ok, il y a une petite salle. Il y a un zombie. On va lui parler. Ok. Zombie buggé. Ouais, et il est mort. Il est mort. Il y a de la bière. On aime la bière. Et là, il y a une porte. Piégée, comme par hasard. On va le désamorcer, le piège. Voilà. On a démorcé avec une réussite critique. On ouvre la porte. Et là, on trouve. Ah, on trouve une goule. Ah, ça va pas le faire. 8 dégâts, génial.
Hop là, j'ai esquivé l'incubation, super la goule est morte. Il y a plus la goule. Alors on a quoi? On a un... Oups. Wait. Attendez, s'il y a corps de taurin, ça veut peut-être dire que c'est un mec d'une quête là. Ouais. Wow. Mais je l'ai déjà, je l'ai en deux fois, ouais. Ouais, j'ai une clé en deux fois. Un autre de taurin. Merde, elle est où? Merde, elle est où? Elle est là. Le frère disparu. Examiné. Cet anneau. What? Le corps de taurin, le frère a été retrouvé. Apparemment, il n'est plus. Ah ouais. Ah, c'est. Ah, une histoire de mort, c'est dégueulasse. Ah, c'est le deuxième mort. Ah, c'est le deuxième mort. Ah non, je me sens obligé d'aller. Je me sens obligé d'aller rendre l'anneau. Ah ouais. Ah, l'anneau, par contre, je le vends pas, je le vole pas. Bon, voilà. On a fait tout le tour. On repose, on save sur les trois slots et on va buter le boss. Ouais, parce que Tiner Zombie, c'était un échauffement. L'échauffement a mal tourné une première fois. C'est pas grave. Allez, on save partout, on save bien. Wait. C'est bon, on est ok. Et c'est parti! Ce n'était pas la bonne salle. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coffres. Un sarcophage. Le sarcophage pue du cul. On va faire le sarcophage. C'est sans doute un demi-boss que je vais débloquer. Ça sent le piège. Ça sent le piège. Comment ça s'appelle? Armure, objet non modifié. Mon sac est trop lourd. Ah, j'ai activé la malédiction de la momie. C'est la momie. C'est la base. Les trois coffres étaient piégés. Et incubation. Ok. Charge la partie. La surprise. La surprise. Personne ne s'y attendait. Donc il y a une malédiction. Mais j'ai quoi moi comme armure? Une armure de cuir clouté. Ah putain ouais. Ah ouais. Ah par contre. Ok. Donc ça doit être un drop fixe. Je vais vérifier. Fais le tour, ouais. C'est un drop fixe. Ok. On va pas y toucher. On va ouvrir les coffres. On va tous les déverrouiller. Là, on va désamorcer. Enfin, merde. Là, pour le coffre, on va aussi le désamorcer. Ouais, j'ai déclenché un piège parce que je l'avais pas vu, putain. Bon, ça va. Le sarcophage, par contre, c'est un boss. Désamorcer. Déverrouiller. Déverrouiller. Et les verrouiller. Voilà. Plein d'actions. Je me suis pris un piège, c'est dégueulasse. Et par contre, je dois refaire. Et ça, putain, je déteste ça. Pour aller vendre du merdier. Je vais quand même ouvrir le coffre. Et pour le boss, on verra plus tard. Des potions. Génial. Un sort, une potion de rapidité. H110 là par contre. Non, le bruit nous en fait. Ah, j'ai trop de colliers. Le sac est trop lourd. Surchargé. J'ai du mal à le porter. C'est pas grave. On continue. Un bracelet. Ouh. Ah, ça sent l'équipement. Ah, je dois rééquiper. Ah, je dois rééquiper. Ah, ouais, ouais. Parade plus 6. Et là, c'est quoi? Ah, ouais.
Ah ouais. Ah ouais. Ah, je suis obligé. Je vais le mettre. Je vais quand même comparer les prix. Mais je le mets. 57 PO. Ah, je suis obligé. Mets-moi la map, par contre, tu es gentil. Un sort, un truc. De la malachite. Poison de reste de runner. Ok. Donc là, Ellipse, je reviens dès que j'aurai tout vendu. À tout de suite. Hop là, je vous reprends vite fait 5 minutes parce que j'ai débloqué un truc sur l'écran d'arrivée. J'ai une note que je dois qu'elle va regarder. Wait, mes blessures aussi. Alors, Fendik, il est où? Il doit être là. Normalement, il est là, Fendik. Sanatorium, oui. Fendik, il est où? Déserteur, Fendik, ok, il est là. Bonjour, monsieur dame. Alors. Le journal a été mis à jour des signes de conspiration. Oui, ouais, récent que le fléau a été lancé par un. J'ai perdu ma lettre anonyme. Ah, voilà, Endester est un connard. Pourquoi me vouloir me jouer de vous? Je t'emmerde, dès que j'aurai zéro. Dès que j'aurai plus mon malus d'intelligence, je t'emmerde. Allez, j'étais heureux d'avoir allé. Ah, 250 PO, 50. Allez, on essaie la persuasion, c'est l'échec. Ah, dommage. Ah, dommage. Je me casse. Voilà. Voilà, donc 50 points d'XP et 250 pièces d'or. Assez génial. Alors, on aime ça. Ouais, on a vite fait. Je retourne au dédale de l'amener et je vous retrouve là-bas. À tout de suite. Hop là, ça a été rapide. Alors nous sommes devant le sarcophage. Alors là, ça vient rapide. Lord of Save. Et la sauvegarde autre. Le SD, le truc là. On est parti. On est go. On est mal en malédiction. Et là, attention. Technique du lâche. Technique extrêmement connue. Vous voyez, à la vocation, il a lancé un sort. On va toujours s'en bugger. Hop là. Mode furtif. On ouvre la porte. Que le sol vous engloutisse. Et on est go. On est pareil, il y a toujours une espèce de sort bizarre. Putain, 9! Incubation. What? On va attendre que le sort se dissipe. Ouais, on voit toujours le sort. Hop. Non. Putain, elles sont les portes. Essaye d'ouvrir la porte. Il est bloqué dans la porte. Ouais, vous voyez ça, ce petit cercle là. C'est sûr que je vais me prendre. Regardez, je rentre dedans. Je rentre dedans. Bon, il se passe rien. Bon, mais imaginez juste que dès que j'ouvre la porte, c'est la base. La terreur incroyable. Je peux rien faire. Je peux rien faire, je suis maudit, je suis effrayé. Je ne peux plus rien faire. Hein. Je suis à la merci du monstre là, vous voyez. Bon, là ça va. Les jets de volonté sont dégueulasses. Ouais, c'est, je suis bloqué là. Je suis bloqué, donc charge la partie. Juste avant le coffre. Hein, on va l'affronter à la royale. Ou alors on l'affronte pas. Voilà, il m'effraie, c'est fini. Là, le combat est fini. Vous voyez, là, il s'approche. Je suis même sûr qu'il a de l'armure. Ouais, il a de l'armure, je pense que ça se voit.
Et l'incubation, ok, c'est la base. C'est la base, c'est la base. Bon bah je vais devoir fuir. Ah ça sent la fuite là, un ennemi trop fort. Donc ce que je vais faire. Alors, je prépare. Ah voilà. Je prépare mon setup. Attention. Attention. Go 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 go. On ferme la porte. Voilà. On analyse. C'est l'armure. Donc 1 plus 6, la pénalité d'un 7. Échec de sort profane 40%. Yes. Ah, il n'est pas fini. Ah. Ah, je ne peux pas plus. Ah, et je peux pas la porter, évidemment. Et si je peux la porter? Ah non. Non, il m'a dit, hein, il m'a dit non. Il m'a dit non, c'est impossible. Je vais retenter ma chance une dernière fois contre ce monstre. Et si je ne peux point, bah, tant pis. Et voilà, vous voyez, ça c'est un cercle d'erreur. Je peux rien faire. Déboussolé. Déboussolé. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Donc du coup, on s'occupera de ce monstre plus tard, voire jamais. Et ouais, il faut essayer des choses dans la vie. Donc là, on va faire le tour. On va faire le tour. On est go, on est prêt pour le boss. Nous sommes presque. Le fin mot de cette histoire, de cette malédiction qui se trame dans une idée mendiant. La puissance occulte qui y réside. Oui, il y a une porte qui s'est ouverte. Bug de son, très bien. On sauvegarde. On n'est pas des fous. Non, on sauvegarde. Allez, go. Ok. Ok, ok, ok. Il va falloir la jouer un petit peu safe. On va déjà essayer d'en rameuter un petit peu et fermer la porte. Voilà. Là, on va ramener tout le monde. Là, ça va être la technique du lâche, mais cette fois-ci, du lâche de la porte. Là, vous voyez, il y a beaucoup trop de zombies. Il faut en privilégier un seul. Un seul à la fois. Afin de réduire les effectifs lentement mais sûrement. Voilà, un autre. Ça en fait 2 sur beaucoup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine. Ah ouais, une dizaine, regardez, il y en a plein qui se ramènent. Il y en a beaucoup. Donc du coup, beaucoup de zombies à battre. Il faut gérer ça avec un timing parfait. Ne pas trop aller vite. Afin d'avoir une chance de s'en sortir. Bon, je suis quoi? Je suis blessé, je suis presque midlife. C'est bon, ça peut le faire contre des ennemis comme ça. Ça va, et en plus, oh regardez, je suis presque à 20 000 d'XP. Ah, qui sait, dans la session prochaine, je vais upper. Hop là. Ah, la technique du sale, la technique de la peur. La porte. La disparition. Et le repos.
Je dirais qu'on a fait un tiers des ennemis qui étaient présents. On save, évidemment. Allez go. Allez go, on est pareil. Ok, je ferme la porte. Va savoir pourquoi. Et je sais pas camouflé. Ok. On va s'occuper de toute la partie droite. Enfin. Ouais, c'est là. Attendez. Non, toute la partie ouest. De la partie gauche. Pour le moment. Hop là. On se camoufle pour s'occuper de l'autre partie. S'il y a des résistants. De la résistance. Ce serait ballot. Ok, on avance un petit peu vite. On se camoufle. Ok, maintenant on va longer lentement tout cela. C'est un hôtel. C'est carrément un hôtel. Ok, il y a quelqu'un. Alors, est-ce que je me fight avec elle? Je mets la pause. Je vais essayer d'y aller. Ok, c'est la méchante. Ouais, c'est la méchante. Je me fight ou je me fight pas? Allez, on y va. Ah, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Elle a pas d'armure. Bonjour, madame. Je suis derrière vous. Elle annonce des sorts. Ok. C'est la baise. C'est la baise, c'est la baise. Elle a une épée. Ah, c'est un échec. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, Shimori. Ah, là. Shimori, c'est mal parti, là. Je n'ai mis aucun dégât. Oh là, oh là là là, oh là, t'as créé du dégât radio, oh là là, c'est la baise. C'est la grosse baise. Ah là là, ah c'est la grosse baise là. Ah c'est la grosse baise là, je suis bien maudit comme il faut. Ah je suis bien, ah et en plus je suis étourdi. Ah là 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 là, là c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Ah j'ai perdu un de mes malus. Dissipation de la magie, poison. T'es sérieux là? Bon, pour ce qui est de l'étourdissement, là... Ouh là. Ah, c'est... Non, là, c'est perdu. C'est perdu, c'est fini. C'est perdu. C'est la mort. C'est la mort. À moins que je fasse la strat de lâche. Je vais quand même vérifier qu'il y a personne. Elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu, elle est aveugle. Ouais, ouais. On aime ça. Ah, j'aime ça. Ok, ah, ah, qu'est-ce que je disais? Il restait quelqu'un. Ah, ok, avec quelque chose. Ok, avec quelque chose. J'ai entendu un sort, là. Voilà. Furtivité. Ah, je me cache. Ouais, quelque chose ici. Ah ah, un piédestal. Ah, moi je dis qu'il peut faire quelque chose avec ce piédestal. Ah, on y va. On y va, on est prêt, on est chaud. Le piédestal peut peut-être m'arriver quelque chose. L'hôtel bourdonne d'énergie, il sera difficile de briser cette structure de... Ah, ok. On va la forcer. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai gagné 200 points d'XP, je sais pas ce que j'ai fait. Donc normalement là je devrais avoir fait quelque chose qui devrait baisser sa puissance.